Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever. On est avec Damned, salut Damned. Salut tout le monde. Et on s'apprêtait à sauter dans le dernier niveau de ce sympathique truc de scaphandrier, énigme du scaphandrier. Peut-être qu'on va aller voir le Kraken, je ne sais pas, je saute. Ça roule, t'essaieras de me dire où tu arrives, même si j'ai une petite idée. Alors, je suis arrivé, déjà j'ai de l'air direct, ça c'est bien, on va mettre à 100% même s'il n'y a pas besoin. Ouais, ok, donc après, quand tu vas avancer, tu peux tourner à droite et à gauche, ce sera à gauche, puis sur ta droite, tu auras une porte fermée, et le truc pour l'ouvrir sera sur ta gauche. Donc gauche-gauche, quoi. Et ça, j'avais une petite flèche qui me disait vers la gauche. J'étais jeté un œil vite fait à droite quand même, au cas où il n'y avait pas une roue à ouvrir, mais non, c'était un cul-de-sac. Donc je vais à gauche. Puis re à gauche et re à gauche. J'ai bien une porte fermée à droite, donc je vais à gauche. Et j'arrive à un cul-de-sac avec un symbole par contre là. Ok, c'est lequel ? Alors c'est une flèche qui va vers la droite dont on aurait enlevé la pointe. Enfin on a fait un trou pour enlever la pointe. Ouais c'est bon, j'ai... Alors attends... Là c'est tout petit, effectivement je peux aller nulle part ailleurs. Attends, je vais t'allumer ça, je me souviens juste plus d'un truc. Vas-y, j'ai de l'oxygène, y'a pas de soucis. Les décors sont vraiment quand même super cool là, dans l'eau là, avec les coraux, les poissons et tout. Je confirme. C'est allumé. Ok, super. Ah, sachant qu'il y a plus de points d'air. Donc si tu veux retourner prendre de l'air, tu peux, parce qu'il va y en avoir une deuxième à faire de porte et même une troisième, comme ça. C'est ce que j'allais te demander, ouais, est-ce qu'il va y avoir de l'oxygène ou pas, parce que... Surtout que là, maintenant, il commence à être définitif, les trucs. Genre, je saute et après, c'est bon, quoi. Non, en fait, il y en a un au début, un à la fin. Entre-temps, il y a trois portes à ouvrir, donc on en a ouvert une. Merde, je crois que le truc d'air, en fait, je peux pas y aller. J'ai sauté justement, donc je peux pas y retourner. Donc, tant pis, j'ai perdu un peu de temps, je vais avancer. Ok, quand tu auras passé la porte, tu continues, et à un moment, ça va s'ouvrir sur la droite. Et tu me décriras ton symbole. Je vais à droite. Alors, le symbole, on l'a déjà eu celui-là, c'est le losange à l'intérieur du carré, mais le carré est plein. Les petits 4 coins du carré sont pleins. Ouais, c'est bon, j'ai... Attends, bouge. C'est bon. Il est allumé, je confirme. Donc tu ressors, tu vas à droite, tu suis tout au bout et tu as une porte. Quand tu auras franchi la porte, le symbole va être sur la droite dans un renfoncement. Et après, tu partiras dans l'autre sens, la porte est au bout et t'as de l'air. Alors j'ai la porte, j'ai une petite flèche qui me dit d'aller à gauche, donc je jette un œil à droite. Ouais, c'est un piège. Alors j'ai le symbole. Ah bah tu viens de l'allumer, c'était deux losanges côte à côte. Je m'en doutais un peu, c'était le seul que j'avais pas allumé, donc j'ai dit tiens, je vais essayer d'allumer celui-là au cas où. La porte est bientôt ouverte, je cours à pleine vitesse. Et j'arrive dans un sas, visiblement. L'eau s'évacue. Après moi ça me dit que ça ramène à l'entrée encore, c'est un symbole qui te ramène à l'entrée, mais bon j'imagine que c'est normal, hein. Ouais bah il y a un endroit où je dois placer mon casque, donc Ça m'a ouvert une grille qui était fermée, je m'engouffre dedans. Bah moi je suis arrivé dans un truc, tu vois Rapture là, on parlait de Bioshock, et ben c'est exactement ça, genre le tunnel au milieu de la flotte. Avec des portes en coulisses à chaque côté.
Excellent. C'est vrai qu'on est dans l'ambiance. Hein. Par contre, là, je suis rentré dans la grande pièce et il y a une petite musique qui se lance. Les lumières clignotent avec des étincelles partout. Ça fait effectivement très Rapture qui part en pièce. Hein. Bah écoute, moi je suis rentré dans un endroit où il y a un gros, des pontons tout en rond. Au milieu, il y a une espèce de lac avec une chaîne qui remonte, une boule. Et je sais pas si t'es dedans ou pas. Bah, je suis dans un truc vitré qui remonte, donc il y a moyen. Ouais, je te vois. Je suis derrière toi, voilà, je suis là, derrière toi. Coucou. Ah, c'est toi qui as la main avec les le truc du coup. Ah d'accord, ça a changé. Ok, aujourd'hui c'est moi alors. Très bien. Alors là, la porte essaye de s'ouvrir, mais visiblement elle n'arrive pas. Ok, je vais voir si je peux faire quelque chose, mais... Ça s'est ouvert de l'autre côté, cela dit. Ici, j'ai une arbalète, très bien. Moi aussi. Alors, il y avait une console dans le truc, mais... Ah, je peux tenir. Ah, mais il faut être deux. Il y a deux manettes tenir, donc je pense qu'il faut qu'on soit deux. Ok. Ah, parce que moi je suis remonté, là j'ai un truc avec des symboles, je sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut faire des trucs. Bah, j'explore un peu, du coup je suis sorti. Je pense qu'il doit falloir qu'on te fasse venir, et quand tu t'auras pu rentrer, on pourra tirer tous les deux nos manettes. Sûrement, en attendant là il y a un truc à faire, ça va pas être piqué des hannetons encore ce truc là. Ouais, je confirme. J'imagine que tu as... Enfin, moi j'ai un... tableau avec du rouge qui arrive en bas à droite et dedans qui arrive sur un truc en damier avec des pièces de différentes formes, genre hexagone, pentagone, rond et tout. Et tout à gauche, il y a un truc bleu avec une flèche qui sort. Donc j'imagine qu'il faut amener le rouge jusque là, mais je sais pas comment le bouger. Alors moi c'est un peu l'inverse, j'ai du bleu. J'ai des pièces blanches aussi, j'ai une pièce rouge et j'ai une boule d'énergie à côté de la flèche bleue, donc pour la faire rentrer. Il faut que ça ressorte sur du rouge, si j'ai bien compris. J'en ai trois comme ça, la première est débloquée, les deux autres sont bloquées par contre. Et entre tout ça au milieu, j'ai un tableau. Alors un tableau, une espèce de... Pff, je sais pas comment dire, une espèce d'ordinateur. Oh, c'est bizarre. Et ça me dit, j'ai A, B, C, D, E, des boutons que je peux appuyer. Et à droite, il y a des schémas sur 6 cases, 3, 2 lignes de 3 avec des ronds rouges à l'intérieur de certains. Et à droite, j'ai un truc que tu peux tourner, mais bon, moi, je peux pas le tourner. Avec des chiffres qui vont de 0 à 7. Genre, j'ai A, les deux premières cases en rouge, pour donner un exemple. A, à gauche, au milieu, j'ai les deux premières cases où il y a un rond rouge dedans. Et à droite, j'ai 0. Voilà. Ça sur 5 trucs. Je sais pas quoi ça me sert pour le moment. Juste appuyer sur A, B, C, D, E. Bah, j'ai exactement ça du coup aussi. J'ai les trois tableaux avec un seul qui est débloqué, celui qui est tout à droite. Et exactement le même truc que tu disais là, l'ordinateur, A, B, C, D, E avec les schémas. Et a priori j'ai même le même schéma que toi sur A. Parce que j'ai le bouton A, les deux cases en haut à gauche de prise et 0. Ok, tu peux appuyer sur le A aussi ? Ouais, je peux appuyer sur le A, je viens de le faire, là, j'ai pas l'impression que c'est fait grand chose. Alors il y a une différence, moi, c'est que la boule d'énergie du coup de mon premier schéma, elle est rouge. Ouais, effectivement, mais je peux pas, comme toi, agir sur le tableau, du coup, je sais pas encore comment on fait. Moi je peux juste presser les boutons, je peux pas... Ah, attends, le D vient de passer à 1 là. J'ai appuyé sur le D et ça m'a donné une pièce en fait. Pièce que je peux placer. Ah putain, d'accord. Et donc si je le remets. Vas-y, appuie sur une lettre toi, qui a pas 0. Ouais, ok, d'accord. J'ai une petite idée du truc. On a exactement. En fait, on se partage les pièces, les tuyaux en fait, si je comprends bien.
Alors là, avec mon BD, j'ai fait le premier chemin, je pense. Moi, il me faut un A, mais on en a pas. Oula. Alors cela dit, quand même, j'ai l'impression que quand toi, ouais, là tu fais le D, il fait 1, 2, tu la remets dedans en fait, c'est ça? Alors non, en fait, si tu veux, depuis que t'as réussi ton truc, j'ai, en gros, moi j'ai une pièce bleue qui est allumée, j'ai une pièce orange où je dois mettre la fine, où je dois faire le chemin, et j'ai des pièces blanches aussi. Et en fait, il y a une pièce blanche qui s'est allumée, j'imagine, depuis que t'as fini ton chemin. Et j'ai fait la connexion entre la pièce bleue et cette pièce blanche, ça a éjecté mon tuyau. Ça l'a fait disparaître complètement. Et j'imagine que ça le renvoie dans la machine. Attends, je vais refaire un test. Là, elle est allumée, ta... Elle est toujours allumée, ta pièce blanche, là? Ouais, toujours, ouais. Et c'est un hexagone blanc? C'est un hexagone blanc, ouais, tout à fait. Ok, parce que moi, je pensais qu'effectivement, il fallait que je fasse le chemin en reliant. Mais du coup, non. Moi, ce que j'ai là, c'est que j'ai un B qui va dans l'hexagone blanc. Et ça va pas du tout à la fin, j'ai enlevé la pièce qui allait jusqu'à la fin du circuit, donc je pense qu'effectivement je dois t'envoyer du rouge là, et faut que tu arrives à renvoyer le rouge quelque part. Alors là c'est fait, j'ai réussi, avec le B j'ai pu renvoyer le rouge quelque part. Et moi tu crois qu'il faut que je t'envoie, et moi il faut que je t'envoie le bleu quelque part aussi en fait. Bah sans doute du coup ouais. T'as pu envoyer le rouge vers du rouge du coup? Oui, et c'est bon, c'est la petite boule est bien rentrée et bien sortie de l'emplacement. Donc oui, j'ai fait la. En fait, faut que toi tu m'envoies du rouge et je le connecte, et moi il faut que je t'envoie du bleu que tu le connectes. Par contre, il me reste qu'une seule pièce, c'est la D, et je ne peux pas la connecter en fait. La seule endroit où je peux connecter la D, c'est là où tu as mis ton rouge dans l'hexagone. Et si je fais ça, du coup, je t'envoie le rouge là plutôt. Alors attends. Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, attends. Si je t'envoie le rouge là plutôt. Bah, le problème, c'est que. Attends. Ah là c'est pas mal là. Ah mais t'as pris le B, non attends. Avec le B je peux faire le bleu là. T'avais mis avant, ça m'arrangerait. Alors attends, parce que là du coup tu m'as envoyé du bleu et je peux le récupérer avec le B. Voilà, et ben après si tu me le remets où il était le rouge, je peux le mettre à... Ouais, voilà, c'est bon, nickel, moi c'est fait. Ok, ça m'a débloqué le deuxième. Et ça nous a débloqué d'autres pièces du coup. Très très bien. Donc moi cette fois j'ai du bleu. Tu crois que... Alors je dois faire un test. Parce qu'il y a beaucoup plus de choix de pièces. Est-ce que c'est aussi vicieux que ça? Genre là le rouge. Attends, je vais faire une bêtise. En fait je voudrais voir si je peux t'en envoyer un. Parce que vu qu'il y a une grosse longueur, que toi tu me le renvoies et que je te le re-renvoie. Je suis sûr qu'ils ont fait un truc aussi vicieux que ça. Attends, bouge pas. Il y a des chances, ouais. Mais je t'ai envoyé du bleu dans le losange si tu veux tester. Tu as récupéré le bleu? Je vois le bleu arriver. Je peux te l'envoyer dans l'ovale aplati. Où je pense dans, alors pas le losange, mais l'espèce de pentagone avec une base plus petite là. Alors attends, je regarde. Si tu peux me l'envoyer dans l'ovale aplati, je peux. Je prends ce qu'il faut. Là il est en place, mais attends, parce que maintenant faut voir le rouge.
Et ils peuvent pas se chevaucher hein, les trucs, hein. J'ai déjà essayé, ça t'envoie chier. Hein. Si tu me l'envoies dans le pentagone, il y a moyen que je te le renvoie dans la croix. Attends, c'est que je suis en train de regarder, mais en fait j'ai pas beaucoup de solutions au niveau du rouge. Alors en fait, le rouge, je ne peux te l'envoyer que là. Enfin, moi, est-ce qu'il me manque une pièce que j'ai pas essayé, la B. Attends, j'ai pas testé le B pour voir si je pouvais te l'envoyer ailleurs. Bah là, je l'ai nulle part, donc... Genre là, tu l'as nulle part si je te le mets sur ce rond-là. C'est un rond plein, un rond normal. Bah le rond normal, c'est là où on a mis le bleu, non? Ouais, mais du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, je ne peux le mettre que... non, le bleu, non, il est pas sur un rond normal, moi, c'est sur un... un truc unique, enfin, je sais pas quelle forme c'est, mais il y a que les quatre côtés, nord, sud, est, ouest. Ah, bah attends, parce que moi, je l'avais mis sur le rond, donc il doit pas être bon. J'ai plus de bleu, là. Ok, donc là, c'est bon. Et est-ce que tu vois mon truc? Ou toujours pas? Alors, je le vois, effectivement, il était dans le rond, mais tout à l'heure, c'était le bleu qui était là, donc je pensais que le bleu était là, en fait, mais... En fait, tu peux le mettre soit là, soit dans l'emplacement où est le bleu actuellement, parce que moi, le bleu, je le vois toujours, par contre, là. Bah là, je te l'ai envoyé dans le losange, le bleu. Oui, c'est vrai que c'est un losange, je suis con, putain, c'est un losange, ouais. En fait, moi, le rouge, je ne peux le mettre que dans le losange ou le rond. Donc je sais pas dans lequel on va s'en sortir, mais c'est soit ce chemin-là, soit l'autre. Je peux faire qu'un des deux. Alors c'est forcément le rond, parce que le losange, c'est le seul où je peux envoyer le bleu. Enfin, si je mets pas dans le losange, je pourrais jamais récupérer chez moi le losange. Il est tout en bas à droite, loin de tout. D'accord, alors j'ai pu te renvoyer le bleu aussi, normalement. Je sais pas si c'était là. Attends, va voir. Je te l'ai envoyé dans la croix, là, le bleu. Alors j'ai, mais j'ai pas la pièce qui va. Attends, je vais voir en prenant le B, mais si ça se trouve, toi, tu vas plus avoir ce qu'il faut, après. Moi, le bleu est bon. Maintenant, le rouge, je peux te le renvoyer, mais uniquement ici. Ah, c'est parfait. Il reste un A, et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc, je le prends. Ok, on est bon, là. Alors là, du coup, j'ai deux arrivées. Une arrivée... Je pense que tu... Moi, j'ai un départ de rouge, et une arrivée de bleu, une arrivée de rouge. J'ai un départ de bleu, une arrivée de bleu, une arrivée de bleu, un départ bleu, et un départ rouge. D'accord, donc il va falloir qu'on démultiplie avec E. Et on a un seul E. Ok. Ouais, j'en ai pris un, t'en as pris un, ça me semble logique. Enfin, je t'en ai laissé un, je veux dire. Donc c'est pareil, moi le bleu, je peux te l'envoyer soit dans le rond, soit dans le losange. C'est les deux seuls trucs que je peux faire de toute façon. Ah, et avec le E, je peux aussi te l'envoyer à la fois dans le rond et à la fois dans le losange. Ouais, alors il faudra choisir probablement, parce que moi, du coup, le rouge avec le E, je peux te l'envoyer dans le rond et dans l'ovale aplati. Ouais, alors du coup, ça voudrait dire que c'est plus tard qu'il faut multiplier, pas au début, je pense. Bah, vu l'espace qu'on a, on n'a pas trop de place, je pense qu'il va falloir qu'il y en ait un qui multiplie au début et un autre... Bon, écoute, je vais essayer de multiplier avec le... le bleu, hein, comme j'étais parti. Le bleu chez moi est bon, mais reste le rouge, quoi. Ah là, t'as pu directement ramener le bleu, là? Alors, je t'ai pas entendu, mais ça me semble compliqué, cette possibilité, en fait. Tu disais, t'as pu directement amener le bleu, là? Ouais, mon bleu est bon, mais il me reste que... Je peux mettre 2 C, après,
pour amener le rouge, mais c'est tout. Je veux dire, tout est pris à part ça. Et pour que ce soit bon, ouais, non, en fait, il me reste le rond plat. Si j'ai le rond plat, je peux ramener le rouge directement à sa place. Et sinon, après, c'est celui à 5 côtés, bah, l'hexagone. Et après, c'est la croix, un peu la croix de fer, quoi. Mais je sais pas trop comment faire. Bah, je peux t'envoyer le rouge dans le rond plat, mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait que tu le dupliques toi. Bah, j'ai déjà dupliqué mon bleu, je peux plus. Bah, je peux te rendre un dupliqueur éventuellement. Oui, mais alors, oui, mais non, parce qu'en fait. Non, je pense pas que je puisse mettre deux dupliqueurs, c'est impossible, parce qu'après, j'ai plus assez de sorties. En fait, si je mets les deux dupliqueurs. Il me reste une seule arrivée pour mettre et du bleu et du rouge. Ce qui est impossible parce qu'on peut mettre qu'un seul tuyau. Donc je pense que c'est un chacun. Ça me paraît pertinent, ouais. Donc du coup, c'est peut-être pas toi qui dois dupliquer. Parce que du coup, si je mets un dupliqueur, je peux t'envoyer du rouge à la fois dans le rond et à la fois dans l'ovale aplati. Bah, dans l'ovale aplati, c'est bon. Mais ça veut dire que toi, du coup, t'en as plus de ton côté. Ça veut dire qu'il faudrait que tu me le renvoies, oui. Ah oui, bah oui, mais du coup, non, parce que tu vas le mettre dans l'ovale aplati, directement le renvoyer. Je vais l'envoyer dans mon truc, et après, moi, j'ai terminé de mon côté, mais toi, non. Ah non, parce que du coup, t'auras le rond, et tu pourras me renvoyer le rond quelque part. Bah non, puisque les trucs sont déjà pris. Enfin, vas-y, mets-le moi dedans, comme ça, on va tester, mais tu vas voir qu'on va se retrouver bloqué. Non, mais je peux pas parce que, comme il y a du bleu dans le rond, pour l'instant il se fait jeter mon tuyau. Ah oui, donc faut que j'enlève le bleu. Enfin, faut que j'enlève mon truc, quoi. Voilà, je peux te renvoyer le bleu là, par contre, en contrepartie. Je peux renvoyer le rouge ici, par exemple. C'est pas bon parce que si je le mets, il me bloque le chemin vers le bleu. Tu peux l'envoyer vers le diamant là, celui avec le pentagone avec une base petite ou pas? Alors attends, parce que là, je peux effectivement connecter le rouge. Ah attends, attends, c'est pas mal ça, attends. Moi il est connecté, je te l'ai renvoyé. Et tout est connecté là. Ouais, mais non, ça marche pas parce que c'est inversé chez moi. Là, le bleu est à portée du rouge et le rouge est à portée du bleu. Ah merde. Parce qu'en fait, les dupliqueurs, je pense que c'est ça. Ils servent à. Il arrive, ça part d'un côté pour le renvoyer, effectivement. Et l'arrivée, à mon avis, il faut qu'elle finisse dans une arrivée, quoi. Une partie qui va l'arriver, l'autre partie qui est renvoyée. Ouais, attends, du coup, en plus, ça marche pas parce que là, il me reste deux trucs à relier. J'ai plus qu'une seule pièce et il y a zéro pièce encore disponible. Attends, j'en ai une dans les mains. Ah. Ah, il faudrait juste voir si tu peux inverser le rouge et le bleu, mais je suis pas sûr. Ça me paraît complexe, attends. Ouais, parce qu'avec un B, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il me faut, sauf qu'ils sont inversés, quoi. Alors en fait, le seul endroit où j'aurais pu remettre le E, c'est qu'en fait je peux pas parce que ça fait, c'est à la fois une arrivée de bleu, à la fois une arrivée rouge, et en même temps la sortie rouge. Et quand je le fais, ça me l'éjecte parce qu'il détecte du bleu et du rouge en même temps. Alors peut-être que là, si tu peux le mettre du coup. Alors là, oui, attends. Par contre, j'ai plus de pièces dispo et la seule pièce qui me reste, je peux pas la mettre. Il me faudrait un B à la place. Et moi, je peux te donner le C. Ouais, du coup, si j'ai un C, ça m'aide pas parce que il envoie le rouge dans le bleu, donc non, c'est pas ça. Merde. Alors j'essaye un truc là, est-ce que là t'as bien le rouge normalement qui est à relier? Ouais. J'ai tout sauf la sortie du bleu, mais la sortie du bleu je peux la faire que entre deux icônes qui sont en diagonale d'une case. Et est-ce que tu peux m'envoyer le bleu ailleurs et le rouge ailleurs?
Enfin, ou même ne pas m'envoyer le rouge du tout. Le problème c'est que le rouge il est à l'opposé, donc je vois... Non, je suis obligé de te le renvoyer le rouge, là où il est actuellement. Donc c'est pas ça, parce que là où il est actuellement, il me sert à rien. Je peux... il me bloque la sortie du bleu, donc c'est forcément pas ça. Ouais, et là j'ai même pas d'enjeu. Enfin, en fait, faudrait que tu puisses m'envoyer le rouge dans le pentagone avec la petite base là. Dans lequel, pardon? Le pentagone avec la petite base là. L'espèce de diamant coupé en bas. C'est impossible. Donc si c'est impossible, c'est pas ça. Bah il est genre à 3 cases à droite et une case en haut. Ça me paraît loin. Du coup, ça veut dire que je suis sûr que ce qu'il faut faire, c'est que c'est moi qui vais devoir dupliquer le bleu et toi qui vas devoir dupliquer le rouge. C'est bien possible. Sachant que le bleu, je peux te le mettre là, ou je peux te le mettre avec une autre pièce que je n'ai pas actuellement, parce que c'est toi qui as les B, je crois. Je peux te le mettre dans le rond plein. Et c'est tout. Tiens, je t'ai déposé un B. Dans le rond plein, le bleu... Si tu le mets dans le rond-plein, je pourrais le dupliquer. Effet. Là, mon bleu est bon et je te l'ai renvoyé, je crois. Ah, par contre, il me revient encore, je sais pas pourquoi. Ouais, tu me l'as envoyé, mais du coup, c'est le seul endroit où je pouvais envoyer le rouge, donc probablement pas. Et du coup, t'as utilisé le dupliqueur, là. Parce que moi j'ai utilisé le dupliqueur pour dupliquer ton bleu là. Ouais, effectivement. Mais en fait. Alors attends. Alors, c'est. Est-ce que si je te renvoie le bleu sur la croix. Ah, j'ai plus le rouge. Parce qu'en fait, là le problème c'est que. Ce que tu m'as fait pour. Allo, allo. Ouais, non, non, excuse. C'est forcément une erreur parce que j'ai pas le. Si on fait ça. Je peux pas, j'ai rien pour relier le rouge, donc ça peut pas être bon. Par contre, je peux faire autre chose, bouge pas. Ok, ça marche. Non, bah ouais. Ouais. Comme ça plutôt. Alors, sans le dupliquer. Ouais, mais là, attends, je te l'ai dupliqué, mais c'est pas bon parce que si je fais ça. Plus l'utiliser en fait. Non, non, tu dois pas le dupliquer, tu dois dupliquer le rouge. Que je t'ai pas envoyé pour l'instant. Je peux envoyer aucun bleu à la destination et le rouge, si je le duplique, il y a forcément un bleu, donc ça va me le rejeter. Moins simple celui-là. Alors je peux faire ça sinon. Alors c'est pas la même chose que tout à l'heure, non? Non, je te l'envoie dans le dans le losange et dans le pentagone cette fois, le bleu dupliqué. Mais toi t'as besoin que je te duplique le rouge. Alors attends, ouais mais c'est mort parce que le rouge et le bleu, si je te duplique le rouge là. Il y a aussi le bleu entre les deux sur le pentagone. Et du coup, bah, je peux pas, il va me rejeter. Alors, où est-ce que tu peux m'envoyer d'autres le bleu, du coup, éventuellement? Ben, j'en sais trop rien. Et tu peux pas me mettre le bleu à la fois dans. Je sais pas, dans la croix, ou le losange, ou le pentagone inversé. On va dire ça comme pentagone inversé, mais bon. La croix, pour moi, c'est forcément la sortie du bleu. Et le pentagone inversé, c'est forcément la sortie du rouge. Enfin, le losange, l'ovale pourrait éventuellement être la sortie du rouge, mais j'y crois pas.
Alors après, attends, j'ai 2 C sur moi. Peut-être que. Non, toi aussi, il t'en reste un de dispo. Bon, ça va alors. Je sais pas trop quoi te dire, honnêtement. Le bleu, t'as vraiment pas moyen de l'envoyer sur un autre. Non, t'as dit que ça te bloquait. Bah, le problème, c'est qu'il faut aussi que je mette le rouge. Et du rouge, faut que je te le renvoie. Donc, le seul emplacement où je peux mettre le rouge tout en te le renvoyant, c'est l'ovale, le pentagone. Voilà. En me mettant sur ces deux là, je peux mettre la troisième branche sur la sortie. Je peux pas faire sinon. Vas-y, fais ça, c'est bien ça. Là, c'est fait. Là. Alors, attends. Là, j'ai mon rouge. Et il me reste le dernier emplacement de la croix. Si t'arrives à m'envoyer le bleu sur la croix, je peux fermer chez moi. Alors le gros problème, c'est qu'il me faudrait 2 B pour pouvoir et le mettre et te le renvoyer. Alors, on a plus de B et moi il me faut un B pour fermer. Bah voilà, c'est bien ça le problème. Le C que j'ai, le seul C que je peux encore placer, c'est de l'étoile au pentagone inversé, c'est tout. Sinon, soit je peux rien mettre, soit c'est du B. Et ce qui me paraît étrange, c'est que des C, il y en a encore deux, hein. J'en ai deux sur moi. Je suis en train de les remettre là au cas où, mais j'en ai deux sur moi. Comme ça. Je peux pas. Parce que je peux rien en faire du bleu. Il faudrait qu'il soit sur le pentagone inversé. Le pentagone inversé est juste à côté du bleu en fait. Mais il me faudrait un B en plus. Mais là je peux rien en faire. Parce que là, si jamais tu peux envoyer le bleu dans la croix ou dans le pentagone inversé, il est dupliqué donc ça marche. Ouais, mais j'ai que du C. Je vais essayer, mais je crois que je peux pas. Hein. Non, je peux pas. Non, c'est pas possible. Et le bleu, tu peux l'envoyer que dans le rond, mais c'est pas possible. Non, le bleu, je peux aussi te l'envoyer comme ça. En utilisant un C, justement. Et là, j'ai un bit disponible. Je sais pas si tu le vois, il est dans celui qui est en forme de nord, sud-est, ouest, là. Losange, pardon. Ouais, et là, je te l'ai envoyé dans le rond, du coup. Ouais, mais dans le rond, je peux pas l'exploiter à moins qu'attends, il me reste un C, je peux te l'envoyer dans l'étoile après. Ce serait parfait. Ouais, ok, my bad. On avait oublié qu'au début, j'avais une autre possibilité, ok, désolé. Et nous avons du courant! Victoire! Et donc ma porte s'est ouverte maintenant. Et du coup, je propose qu'on se rende à l'intérieur et que. On arrête l'épisode là avant de tirer les manettes. J'espère qu'il vous a plu. Il se passe des trucs, cela dit. Ça a l'air d'aller. On est juste enfermé. Ok, donc du coup j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. N'hésitez pas à aller voir le pendant de la vue de Damned sur la chaîne de 119. Les liens sont dans la description. Et vice versa si vous le souhaitez. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye tout le monde.